Monsieur, est-ce que je pourrais aller jusqu'à Bursan et revenir? Allez-y. Ne traînez pas, il y a un train qui arrive dans l'autre sens. Oui, je fais juste un petit aller-retour. Là, je vais aller faire l'aiguillage. Monsieur, est-ce que je peux revenir de la Fabrica 3? Oui, allez-y. Ok. Maintenant, je desserre complètement les freins, j'enclenche la marche arrière et on rentre. Les freins, c'est le volant. La pédale de frein est désactivée, regardez. Là, je freine. Stop. Là, je desserre les freins et on repart. On accélère en utilisant la pédale d'accélération, exactement comme une voiture normale. Si tu appuies fort, tu accélères plus fort. Si tu arrêtes d'appuyer sur la pédale, la voiture ralentit petit à petit. La vitesse maximale est de 20 km/h, sinon on risque de dérailler. Parce que c'est difficile de tourner si la draisine va vite. Elle a 5 vitesses, mais on préfère ne pas les utiliser. Les premières draisines ont été construites dans les années 60. Après la Révolution, il y en a eu beaucoup d'autres construites. Au total, aujourd'hui, il y en a une quinzaine. Chacune a sa propre utilité. La Régie des forêts en a 5 ou 6. Ceux qui entretiennent les voies ferrées en ont d'autres, etc. On utilise ces draisines parce que c'est plus pratique dans certains cas. Tu n'es pas obligé de suivre un tracé défini à l'avance, du point de départ jusqu'à la fin. Pas comme le train qui va au bout de la vallée et qui revient. Avec la draisine, tu peux aller exactement à l'endroit où tu as besoin d'aller travailler. Tu peux parcourir de très courtes distances. Les draisines sont des voitures normales à la base, qui ont été amenées jusqu'ici par la route. Celle-ci, par exemple, était utilisée par les pompiers de Francfort, c'est écrit sur la portière. Il y avait même un gyrophare. Après, on l'a transformée. On l'a suspendue, on a mis un châssis en bois pour soutenir la voiture, on a changé les roues pour mettre des roues de métal qui peuvent aller sur les rails. On a changé quelques trucs dans la mécanique et c'est parti. Și Doamne ajută la plimbare. Patru am făcut aici în curte. Moi, j'ai fait 4 draisines. Je suis un expert, je les connais de A à Z. Nu știu cum să vă zic. Aici noi suntem, deci, persoane autorizate.
Tout le monde ne peut pas conduire une draisine. Les touristes peuvent monter comme passagers, mais pas conduire. Les personnes qui ont le droit sont celles qui ont le permis de conduire des locomotives classiques. Moi, je suis une personne autorisée à circuler sur les voies ferrées. Il faut aussi connaître le système de communication. Les draisines sont équipées d'un système radio géré par la régie ferroviaire. Il y a quelqu'un qui indique si la voie est libre, si la draisine peut s'engager sur les rails sans problème, ou au contraire, s'il y a un autre véhicule qui arrive dans l'autre sens. Il décide qui doit laisser la priorité à l'autre. On n'a jamais utilisé de chevaux sur cette voie. Mais à l'époque, et même encore maintenant, on utilise des chevaux pour aller dans les endroits où les draisines et les locomotives ne peuvent pas accéder. Par exemple, pour transporter du bois, de l'endroit où il est coupé dans la forêt, jusqu'à la voie ferrée. Je souhaite aux enfants français la santé et je les attends ici quand ils veulent. Moi aussi j'ai deux petits-enfants. La vallée de la Vazère est une région très spéciale et très belle. C'est dommage de ne pas venir la visiter si on en a la possibilité. On peut y voir d'un côté les collines, de l'autre la rivière, tout ça en circulant sur des rails. Il y a plein de choses à voir, des tunnels, l'ancien barrage, etc. Voilà comment on fait demi-tour. Sous la draisine, il y a une plaque. On prend deux morceaux de bois, on les place à la perpendiculaire des rails, juste sous la plaque. On baisse la plaque sur les morceaux de bois. Il y a une manivelle qui permet de soulever la voiture. Une fois en l'air, on peut tourner la draisine en la poussant avec les bras, soit par l'avant, soit par l'arrière. On lui fait faire un demi-tour complet à 90 degrés. Quand on a fini, on remet la plaque à sa position de départ, on enlève les deux morceaux de bois et en avant.